この願い叶って。もし一枚だけ君からもらえるそのバブルガム。気づかないうちに。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tuto comment avoir les PNJ à l'infini. Ça marche pour Ounar, ça marche pour tous les autres PNJ et je vais vous expliquer comment on fait. Quand j'ai fait ce tuto, j'ai pensé à toutes les personnes qui ont reset et beaucoup vous aider pour tout rush. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50% une vraie, une fausse œuvre d'art. Il y a 30% de vraies, de fausses œuvres d'art. Et il y a, pour terminer, 10% 3 vraies, une fausse. Et encore 10% 4 fausses. Voilà, c'est à chaque fois un petit peu ce qu'il y a en pourcentage quand Ounar vient sur votre île. Voilà, donc déjà, c'est pas terrible, terrible, surtout si on veut tout rush. Avec l'astuce que je vais vous donner, vous allez pouvoir tout rush en un clin d'œil. Et c'est valable, comme je vous ai dit, pour tous les PNJ, que ce soit Céleste. Pour rush les fragments d'étoiles. Donc déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté les œuvres d'art qui nous plaisaient. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder et arrêter le jeu. Ensuite on va aller dans les paramètres bien évidemment de la console parce qu'on va changer d'heure. Donc on va dans console, date et heure. Et ensuite là on était le 9 septembre, on va passer au 10 septembre. On valide, on retourne sur notre jeu. On attend bien évidemment qu'il s'allume. Et ensuite, une fois que c'est allumé et que votre petit personnage sort de votre maison, vous allez couper le jeu sans sauvegarder. Ensuite, on se retrouve encore sur la page d'accueil. On va faire exactement la même manipulation. On va aller dans paramètres de la console. On va aller dans console. On va aller dans date et heure. Et très important, on va remettre à la date où Ounar était là. Donc moi, il était là le 9 septembre. Donc on remet au 9 septembre. Et vous allez voir que Ounar, une fois qu'on rallume le jeu, sera bien présent sur mon île. Et ça, c'est sûr, à coup sûr. Donc c'est un petit peu long à faire. Mais franchement, si vous voulez rush très rapidement les œuvres d'art, tout ce qui est fragments d'étoiles, etc. C'est quand même très très rapide. Donc petit récapitulatif rapide. S'il y a Ounar sur votre île, vous regardez la date à laquelle il est là. Vous allez dans son bateau, vous achetez une œuvre d'art, vous coupez, sauvegardez, coupez. Vous retournez dans votre jeu, vous le rallumez, vous quittez sans sauvegarder et ensuite vous retournez dans les paramètres de votre console, vous refaites la manipulation ou vous mettez à la date où Ounar était là. Et Ounar, voilà, se retrouve encore là. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'il a des nouveaux objets et œuvres d'art. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Ce qui signifie en fait qu'à chaque fois que vous allez faire cette manipulation, Ounar reviendra sur votre île et il aura à chaque fois des nouvelles œuvres d'art et des nouveaux objets. Par exemple, ce petit dé, je ne l'avais pas. Donc c'est très très cool parce que je vais pouvoir le cataloguer et je suis vraiment super super contente. Donc moi, je trouve que c'est une astuce qui est vraiment validée à 100%. Pour que vous puissiez rush le plus rapidement possible vos œuvres d'art, vos fragments d'étoiles, vos objets avec Gulliver. Et franchement, c'est trop trop cool. Je ne connaissais pas cette astuce et franchement, ça m'aurait vraiment changé la vie de la connaître. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça peut être vraiment sympa de vous la faire connaître. Surtout que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait reset. Et de toute façon, même pour ceux qui n'ont pas reset, c'est franchement très très sympa aussi pour terminer son musée. En tout cas, voilà, cette astuce est terminée. On like et on s'abonne. もし一枚だけ君からもらえ